tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui qui sera un haul Action assez grand parce que j'ai dépensé 70€, 70€ chez Action, ce qui est beaucoup pour chez Action, vraiment. Je suis devant mon futur bureau, j'ai juste mis une bête plaque pour l'instant parce que le menuisier n'était pas là hier. On a voulu aller hier chercher mes planches et il n'était pas disponible, donc on ira mercredi prochain. Du coup, en attendant, j'ai juste mis une bête planche, c'est de mon ancienne coiffeuse. Avec mon PC, mon agenda, etc. pour travailler. J'ai mis juste un petit bonhomme là, tout mignon pour dire de combler un peu. La lumière, il faut absolument que je la règle. D'ailleurs, vous êtes de travers. Il faudra que je règle la lumière, mais bon, il faut que je filme une première vidéo pour voir un petit peu comment ça se passe. J'ai ma fenêtre qui est juste là. Si je filme, enfin, en fait, si vous voulez, il est 1h et mon soleil est encore là. Donc, il faut peut-être que je filme ou très tôt le matin quand le soleil n'est pas totalement près de ma fenêtre. Ou fin d'après-midi quand le soleil n'est plus là, parce que vraiment c'est beaucoup beaucoup éclairé et du coup je parais très blanche. Donc on va commencer tout de suite, mais avant toute chose, avant de vous présenter les articles de chez Action, j'ai reçu 3 articles Shein et c'est vraiment la première fois où les 3 articles sont de vrais coups de cœur. Jeanne, tu vas où là? Loulou? Jeanne. Bon, j'essaie de distraire un petit peu ma fille. Donc du coup, je disais que c'est vraiment 3 articles coup de cœur. Donc il faut absolument que je vous les présente. Premier, c'est ce pull-ci. Donc c'est un pull léopard. Je vais peut-être vous mettre une photo ici. La photo que j'ai postée sur mon Instagram, je vous la mettrai juste ici. Je l'aime beaucoup. Moi, j'ai retroussé les manches, mais sinon les manches sont comme ceci. C'est peut-être mieux au final, mais je trouve que ça fait un petit peu trop sportwear quand je mets les manches comme ça. Donc moi, je les rentre et je trouve vraiment super joli. Le seul hic, c'est que je trouve qu'il est un petit peu court. Donc du coup, je suis tout le temps obligée de tirer dessus parce que moi, j'aime bien le mettre dans mon pantalon. Vous avez beaucoup, beaucoup de lumière. Je suis vraiment désolée. J'espère que ça ira au niveau de la lumière, mais vous êtes vraiment très clair. Je vais peut-être diminuer un petit peu, mais j'ai peur qu'on soit trop sombre. Pour le coup, vous voyez, on est trop sombre. Du coup, on va essayer comme ça, tant pis, c'est pas grave. On va faire un petit peu abstraction du soleil qui est juste là. Pour une fois qu'il y a du soleil, on va pas s'en plaindre. Donc du coup, juste un petit peu trop court. Mais bon, sinon il est super chouette. Moi j'ai très chaud avec. Je sais pas ce que c'est comme matière, mais j'ai super chaud. J'ai pris une taille XL, vous voyez, pour qu'il soit un petit peu loose, un petit peu grand. Le léopard, faut vraiment vous dire que il y en a beaucoup qui n'aiment pas. C'est vraiment mitigé parce que j'ai posté un sondage sur Instagram. C'était vraiment 50-50 tout le temps. Ça fait 24 heures qu'il est dessus quasiment et c'est vraiment 50-50. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, autant vous dire que je pense que c'est la trentaine qui me fait dire que je commence à aimer un petit peu le léopard. On en voit vraiment partout, donc je commence un petit peu à m'habituer. Et j'ai un truc qui vole, donc ça m'ennuie. Et du coup, je commence à apprécier, mais attention, par touche. Parce que si vous faites le total look léopard, les gars, non, vous n'êtes pas un léopard. Donc du coup, j'ai mis ça hier, par exemple, pour shooter. Vous verrez des photos sur Instagram prochainement. Ça me perturbe, la luminosité qui est excessive. Je suis vraiment désolée, vaut mieux ça que l'inverse, mais bon. Donc du coup, j'ai shooté ça. J'avais un pantalon noir, des boots noirs et j'avais ma veste camel qui est quasiment du même camel que le pull, donc c'était top. Et un sac noir, imitation queer croco. Enfin, vous verrez bien parce que je dois vous faire une vidéo sur le sac aussi. Et voilà, j'avais un total look noir et juste cette pièce léopard en dessous de ma veste. Donc du coup, c'était hyper canon. Moi, j'ai adoré. Bah voilà, oui, j'ai eu plein de retours sur Instagram. Après, vous êtes venus m'envoyer un message privé comme quoi vous aviez trop le look. Donc je suis super contente, il est trop joli. Donc je vous mets de toute façon les liens en barre d'infos. Et chance, j'ai un code promo, c'est Jeanne15 qui vous donne droit à 15% sur tout le site Shein. Donc ça vaut vraiment le coup. Je suis trop fan. Donc ça, foncez si vous aimez le léopard, il est vraiment très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est vraiment super joli. Ensuite, autre pièce de chez Shein avant le plus gros coup de cœur du truc. J'ai commandé une petite jupe que je n'ai pas encore essayée, donc je sais pas si elle me va en fait. J'ai pris en XL aussi, c'est une coupe très droite, aucun stretch dedans. Donc j'espère que ça va aller, qu'elle va pas être trop serrante. Mais voilà, c'est une simple jupe à carreaux comme ça, sauf que vous voyez, elle est un petit peu, ça remonte un petit peu ici en fait. Voilà, je sais pas si... Voilà, avec des petits volants, je sais pas si vous arrivez à voir le truc, mais on voit un petit peu plus la cuisse à gauche qu'à droite, quoi. En fait, voilà, tout simplement. Et voilà, elle est très bien, très simple. Il y a aucun stretch dedans, donc ça, c'est un petit peu dommage. C'est vraiment, chez Shein, des tissus très droits, sans stretch. Enfin, à chaque fois, moi, je commande des trucs sans stretch.
Donc ça c'est un petit peu dommage, je pense qu'ils devraient peut-être revoir un petit peu ça pour mettre un petit peu plus de stretch dans leurs vêtements. Mais sinon elle est franchement très très jolie. Et coup de cœur, mais vraiment coup de cœur les gars, c'est la big tendance après le léopard. Hop, c'est une veste moumoute, verte évidemment. Je vais m'approcher tout près pour que vous puissiez voir le vert. Donc hop, je me mets peut-être face au soleil. Dos au soleil plutôt. Donc c'est un vert, vous voyez pas du tout le bon vert. Je vais peut-être vous mettre une photo. Si j'abaisse la luminosité. Non, vous voyez pas du tout le bon vert. C'est un vert sapin en fait. Voilà, c'est un vert sapin. Vous voyez pas le bon vert. Vous la voyez beaucoup plus foncée que ce qu'elle ne l'est. Mais c'est un chouette vert sapin. Je vous mettrai la photo du mannequin peut-être ici. Comme ça ce sera beaucoup plus parlant. Elle est sur le site à 33€ et moi avec mes 15%, donc ce qui veut dire que vous allez la voir à 20 balles quoi. Elle est vraiment d'une qualité dingue, elle est super chaude, moi je l'adore, ça va être mon coup de cœur pour faire de chouettes photos sur Insta, ça va être super joli. Vous mettez ça, je sais pas encore trop avec quoi je vais la porter, mais avec un jeans clair et un bête t-shirt en dessous blanc, ça peut faire l'affaire, elle est vraiment très très jolie. Vraiment sublime. Donc ça c'est mon gros coup de cœur. Et pour le coup je l'ai pris en 2XL. Voilà, pour qu'elle soit un petit peu large. Et je vous conseille parce qu'elle est vraiment très stretch, très droite et très rigide. Donc prenez vraiment encore une taille au-dessus pour être sûr de pouvoir la porter. Et ensuite on va passer par action. Première chose, comme ça je le donne à Jeanne, c'est ceci que j'ai vu vraiment avant d'arriver à la caisse. C'est un lama. Donc quand on a été, pour la petite histoire, quand on a été chez Nookies faire les photos, il y avait un grand lama en peluche. Et du coup Jeanne le surkiffait, mais vraiment elle ne pouvait plus quitter ce lama. Et elle pleurait même quand on est parti parce qu'elle voulait absolument le lama. Et j'ai trouvé celui-ci qui est juste trop chou. Je sais plus vous dire le prix du tout, je pense qu'il était à 9,95€ ou un truc comme ça. Les pattes sont rigides, donc du coup c'est cool parce qu'il tient debout, ça c'est vraiment chouette. Et moi j'adore sa tête, ouais, regardez. En plus vous avez ces petits poils là qui bougent, ces petits cheveux qui bougent, il est juste une tête trop belle. Vous aviez celui-ci qui est couleur camel et vous en aviez un qui était brun foncé, moi j'ai pris celui-ci. Il va rester en bas parce que je trouve qu'il fait bien dans la déco. Donc je le trouve super sympa. Jeanne va en dessous de mon bureau, d'accord, ok. Et on l'a appelé Samy, voilà. Pourquoi je ne sais pas, mais je trouve qu'il avait une tête à s'appeler Samy. Donc je suis super contente, il est super doux. Tiens mon cœur, maman met Samy là. Hop, si tu veux jouer avec Samy, il est là. Donc voilà pour le lama. Ensuite, j'ai deux sacs, hop, remplis. Autre chose, je vais continuer dans les jouets de Jeanne. Autre chose, c'est un petit chien qui était mis dans cette boîte-ci. Donc je vous montre quand même la boîte parce que au moins, si vous allez chez Action, vous repérez peut-être plus facilement. Et c'est le fameux chien, comme ça, qu'on a tous eu, je pense. Enfin, moi, j'ai eu ce chien, Simon a eu ce chien aussi. Enfin voilà, tout le monde a eu ce chien, j'ai l'impression. C'est le chien qu'on voit partout sur les brocantes, vous savez, c'est souvent les stands péruviens qui vendent ces petits chiens comme ça. C'est juste trop adorable, mais ça fait un boucan de tous les diables. Et je savais en l'achetant que ça allait faire un bruit dingue, mais heureusement Jeanne ne s'y intéresse pas trop. Elle préfère le prendre comme ça en tant que petit chien que plus pour le bruit, voilà, elle s'en fout un petit peu du bruit. Donc du coup je le laisse éteindre pour l'instant, mais si je l'allume, hop. Voilà. Et donc il avance, il recule, il avance, il recule. Voilà. On va l'arrêter, mais il est trop adorable, je sais plus du tout combien j'ai payé, mais parce qu'il était mis comme ça en plein milieu des jouets, mais il est juste trop mignon. Il est où le chien? Jeanne, qu'est-ce que tu fais au fait? Il est où le chien? Coucou! Coucou, maman le met là? Donc voilà, il est juste trop chou. J'ai encore des jouets pour Jeanne, mais je vous les montrer en fin de vidéo parce qu'ils sont déjà déballé. En fait à la base c'était des jouets que je lui prenais pour sa Saint-Nicolas. Mais honnêtement le jour de la Saint-Nicolas, Jeanne elle s'en fout un peu, enfin elle s'en rend pas compte encore. L'année prochaine ce sera différent, mais elle s'en rend pas encore compte. Donc je lui ai déjà donné. En plus on revenait des vaccins. Elle a, enfin vous verrez ça dans le vlog, mais ça a été catastrophique les vaccins. Donc du coup je lui ai donné tous ses jouets quoi. Je m'en fous un peu, tant pis, c'est pas très grave. C'est pas grave du tout même. Je lui ai pris 3 petits livres, il y avait plein de différents. Moi j'en ai pris 3, c'était 89 centimes, ça je m'en souviens. C'est les éditions Caramel, voilà, il y avait plein de,
d'animaux différents. Et ce sont des livres en carton parce que Jeanne adore les livres en carton. Elle arrive beaucoup mieux à pouvoir tourner les pages. Les illustrations sont super bien faites. Je l'ai déjà lu celui-ci hier soir par exemple. Alors à chaque fois on compte les petits moutons. Enfin c'est bête hein, ma fille n'a que 1 an. Mais voilà, je fais un maximum, je fais le bruit du mouton. Voilà, et elle adore ces petits bouquins. Donc moi j'ai pris Hector le chien, Polo le poney et Pimpon le canard. Je sais pas où ils ont été chercher leur nom, mais c'est un petit peu spécial. Donc voilà, trois petits nouveaux livres. Sachez que moi mes livres, j'ai déjà pris plusieurs livres pour Jeanne chez Action et ils sont toujours top. Je les aime beaucoup, donc ça, ça va rejoindre la petite bibliothèque de Jeanne dans sa chambre. Hop. Ensuite, pour Jeanne, au niveau des jouets, j'en ai deux là-bas, mais je vous les montrerai à la fin avec la caméra. J'ai pris en nourriture ces petits chocolats. C'est les Barney au chocolat. Ouais, c'est les petits oursons en fait, comme ça. C'est Lu qui fait des petits oursons comme ça, il me semble. Honnêtement, ils sont sûrement moins chers que les Lu. Ce soleil m'ennuie en fait, je devrais être comme ça. C'est les Lu, pardon, qui font ces chocolats-là. Et franchement, mais ils n'ont rien à envier aux Lu. Ils sont vraiment super bons. Donc si vous allez chez Action, pensez à moi. Prenez, si vous aimez bien en tout cas, les petits oursons de Lu. Ceux-ci sont super bons. Le chocolat est délicieux. J'ai adoré d'ailleurs. On a été hier chez Action, les gars. Il n'y en a plus. Sorry. hop, autre chose. J'attrape comme ça me vient. J'ai pris deux housses de coussin pour mon canapé, évidemment dans les tons verts. Vous voyez pas du tout le bon vert, ça me saoule. Du coup j'ai pris deux housses de couette comme ça, couleur vert eucalyptus toujours. Ça coûtait pas grand chose, c'était 2€ une chic. Et ce sont des 50-50 je pense. Non, 45-45. Voilà, et j'en ai pris deux, évidemment les mêmes. Il y avait en gris foncé aussi il me semble. Il y avait plusieurs couleurs. Hein. Tu donnes à maman ? Tu donnes à maman que... Attends, donne à maman. Mets-toi là. Tu donnes à maman? C'est Jeanne qui va me donner les articles maintenant. Donc ensuite, on a pris des petits maïs frits et salés. On adore ça avec Simon. C'est un truc, c'est délicieux. En fait, une fois que vous commencez, c'est juste délicieux. Je kiffe. Tu veux ça? Voilà. Allez, prends-le. Après, on va tout ranger, hein, Jeanne. Et c'est le bazar ici. Hein. C'est le bazar ici. Hein. Hop. Jeanne a bougé la caméra. Hop, et donc on a pris deux paquets. Et on a pris ça, ça c'est plus Simon qui aime ça, c'est des arachis sucrés. Moi je suis pas très fan hein. Mais voilà, c'est des petits trucs comme ça. Hop. Premier sac terminé. Ensuite j'ai pris ce que je prends toujours chez Action, un Harpic gel avec Javel au citron. Voilà, je prends toujours avec Javel parce que on a une eau très très dure ici dans le village. Et donc du coup si je prends pas de la Javel, mon WC est jamais propre comme je veux. Et moi c'est le truc chez moi qui doit tout le temps être propre. C'est bête, on parle de WC là ici. Mais c'est le truc qui doit absolument être propre tout le temps, c'est le WC. Là c'est juste pas possible, je vais pas le mettre d'ailleurs à la portée de Jeanne. Ensuite j'ai pris pour mon futur bureau un classeur pour pouvoir mettre mes factures YouTube. Hop. J'ai pris quoi d'autre? Je vais prendre peut-être des sacs sur moi, ce sera plus simple. Hop. J'ai pris des petits crayons pour Jeanne. Il y a 15 crayons, ils sont assez gros. Donc ça je vais lui emballer pour Noël. Avec ces trucs de peinture à doigts, de plasticine, etc. Voilà, ce sera dans ce petit cadeau là. Tu vas où ma chérie? J'ai pris ensuite un carnet en velours pour mon bureau. Hop, il est trop joli. C'est un velours beige comme ça. Il est juste trop beau. J'aime beaucoup. Hop, je prends toujours des carnets chez Action façon. D'ailleurs, j'en ai pris un autre. J'en ai pris un autre ici. C'est un carnet tout simple comme ça, quadrillé. Avec, vous savez, des petits intercalaires. Pour pouvoir, voilà, mettre les vidéos en cours, les idées de vidéos, etc. Je trouvais ça très sympa. Hop. Ensuite j'ai pris rien à voir, mais j'ai pris des Mikado. Oh, j'ai pris chocolat noir, j'aime pas. Moi je préfère les chocolats au lait. Il fait le focus ou pas? Voilà, moi je préfère les chocolats au lait. Mais bon tant pis, j'ai pris chocolat noir sans le voir. Jeanne, viens ici mon lapin. J'ai pas fermé la barrière des escaliers. Et donc du coup elle grimpe. Et dernière chose pour mon bureau, j'ai pris une petite agrafeuse comme ça, toute blanche.
J'ai pris un dévidoir à scotch. Voilà, il est super lourd. J'ai pris évidemment du scotch, des agrafes et j'ai pris une perforatrice. Voilà, c'est hyper 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 intéressant. Je ne suis plus focussée. Voilà. Ma fille est déjà sur la troisième marche. Je vais peut-être chercher ma fille. Autre chose que j'ai prise à la base pour Jeanne, mais que je vais offrir aux petits garçons de nos amis, nos meilleurs amis. Donc du coup, c'est un petit marchand, voilà, avec des produits, avec une caisse enregistreuse, une carte de banque. Enfin voilà, je trouve ça trop chouette. C'est à partir de 18 mois et sachez que c'est en ce moment chez Action. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Jeanne est encore en pyjama et pour tout vous dire, je suis encore en pyjama en dessous. Parce que voilà, avec le vaccin, on n'a pas passé une nuit super super chouette. Donc du coup, Jeanne, je la laisse un petit peu en pyjama, un petit peu plus longtemps que d'habitude. Et moi, j'ai remis mon pyjama en bas parce que j'avais trop la flemme de m'habiller complètement. Et donc voilà, c'est un petit peu plus à la cool aujourd'hui à la maison. J'espère que ce haul Action vous aura plu. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et j'espère que la luminosité sera mieux la prochaine fois. Ciao!